Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Télésport sur Télévision Nationale d'Haïti pour nous développer. Le gouvernement République a débloqué 600 000 dollars américains pour réhabiliter Pelouse Parc Saint-Victor du Cap à l'étranger. Nous allons parler de tournoi Audi Cup. La finale libre à opposer mercredi 2 août à Atlético Madrid à Liverpool. Nous avons tout pour nous l'autre match amical de pré-saison qui jouait pendant le week-end écoulé. N'a bien pour nous dossier transfert Jesus Navas quitté Manchester City, li retourné dans Liga dans ancien club li FC Séville. C'est moment pour nous observer première pause là, n'a retourné pour développement titre ça. Dans Alternative Insurance Company, nous toujours à chercher moyen pour nous bailler sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires, dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Une partie d'un corps pour payer pour assurance vie a retenu un compte spécial côté l'affaire intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui sort si bien urgence l'hôpital, frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. AIC créé assurance vie universelle pour être nous cas poser et nous assurer la vie nous, famille nous, ak bien nous. Même si ta vie n'est gros dépenses qui vous faites de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travaille pour protéger vous et puis pour kembe confiance vous. Nous tendez ça au mandé et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdit sans fin payer, ça n'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre data avec les détails. C'est celle qui celle qui va rollover illimité sur data avec les détails. En écrit, nous plan gros avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça en fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel, la Koulia, et puis acheter plein gros lot par là. Digicel. Oh! Nous avons commencé avec l'actualité sous plan local, sport et formation, Union Sportive Internationale, USI, qui était fondée le 1er mars 2008, déjà il y a 9 ans. L'école football, ça, qui était l'ouvri Delma, qui a gagné annexe dans la base Tibonite, dans le sud-est. Collaborateur, nous, Smith Griffon et Bernard Marseille, a présenté un reportage. Union Sportive Internationale, USI, qui était une simple école football, elle était démarrée en 2008. Vini Kounia, une académie sport à Klang. De Pac Maguana Delma 31, ISI transféré depuis quelque temps dans le centre sportif Enfraza Delma 33. Pendant les vacances, l'entraînement est déroulé samedi matin, mardi matin et jeudi matin. PDG Union Sportive Internationale, là, c'est ancien international haïtien Joseph Domingue, ancien joueur violette à Corrado Lagunave, qui avant de faire partie du programme Opération 2006. Là. Ça fait nous 9 ans en fait. Et c'est important pour que jodi an et nous même n'a essayer
et garder qui j'en nomme nous car et avancer avec football jeune dans le pays. Expérience internationale, c'est ça qui intéresse. D'abord c'est service d'apprentissage, service d'entraînement et méthode et pour tout le monde qu'on est qui sac football là, qui sac jeu là. Et pour nous développer talent et puis pour nous commencer ouais au niveau international par rapport à match international là jeu tournoi pour nous connaître par rapport avec équipe à l'étranger collège université niveau division n'importe qui pays dans le monde là peut-être nous même cap jeune invitation souvent et que c'est ça qui intéresse nous pour que jeunes ça yo même yo jeune en place au niveau international avec iBackup et moi même c'est un pour promoteur iBackup aussi qui représente la Caraïbe là avec World Soccer Foundation qui c'est une organisation une fondation aux États-Unis et en fait moi c'est via avec et travail ça moi même comme représentant parce que c'est important pour que l'école football ça et surtout d'autres écoles football dans pays hein, qui capable qui intéressé avec programme international moi même prêt pour que m'inviter pour que me faire une jeune invitation tout ça pour nous participer dans tournoi pour nous placer jeunes haïtiens c'est pas seulement dans l'Union, c'est dans toute l'école football yo. Et peut-être nous supposer au moins gain plusieurs joueurs qui jouent au niveau européen en Europe ou bien et en Amérique du Sud. D'après Joseph Domingue, le petit monde fait partie de l'Union sportive internationale, faut qu'il gagne entre 6 à 16 ans. À part de tournois locaux, il a aussi toujours participé dans plusieurs tournois internationaux tant que Miami Cup, Disney Cup dans la cour Orlando et Iber Cup à Barcelone en Espagne. Sport et infrastructure, gouvernement République a débloqué 600 000 dollars américains pour réhabiliter pelouse parc Saint-Victor Cap-Haïtien. Lancement travail a été fait semaine qui s'est passée en présence à plusieurs autorités dans la cité roi Henri Christophe là. Explication docteur Yves Jean-Barre qui est président fédération. Ça équipe au Cap a fait le football, ça au Cap représenter le football, au Cap prend tout type qui gagne yo produit joueur depuis des siècles presque c'est yo qui est en tête en nous font bagaille pour parc Saint-Victor côté pas de gagner fait là-dedans pour nous c'est une 40 terrain surface déjà au moins jouable pour produire football de qualité pour jouer de yo plus bien formé. Le président a dit immédiatement n'a fait le tout de suite. J'ai alors contacté les autorités, mes amis, Naoum Marcelu, sénateur Luma, nous rencontrer des députés, même qu'on est d'ailleurs son confrère de longue d'atelier. Nous faisons un pile de mains, j'ai parlé plusieurs fois à l'ingénieur et à M. Pirega, nous décidons pour nous faire. Nous prenons toute disposition, non, donc nous n'étions pas là pour capter de commencer en juin, mais les aléas quand même de administratifs et autres font que le pas commencer en juin. Quand j'ai appelé l'ingénieur et Pirega, il dit nous parions pour nous commencer tout de suite. Donc nous son lancement symbolique nous venons faire là. Mais dès cette semaine, nous devons un camion là, nous y être qu'un bel travail. Pour ça, objectif là, depuis quelques années, l'État entreprend une série de constructions à travers le pays. Nous par la présidente, construction très bien, son gros investissement et son gros choix que l'État et le gouvernement précédent fait. Moi, je garantis que deux trois petits problèmes, nous avons maintenant une expertise. Ils ont même fait avec pellet, avec sable qui vous permet de pénétrer de qualité. Et parce que le grand gagnant va être le football capois et la ville du Cap. Nous aimons le football, nous venons dans le football tout le temps. Nous avons une qualité de jeu qui vous permet de jouer parce qu'il y a un terrain qui va le permettre. Basketball Plus, ça, c'est un nouveau l'école basketball dans la région métropolitaine. Là, il y a un siège dans le centre sportif Enfraza Delma 33. Samedi, qui s'est passé à une équipe TNH Tialoué qui vient de marcher. Reportage, Smith Griffon, Bernard Marseille. Même gens avec football, depuis quelque temps, l'école basketball pour Sekou John John dans le pays. Après l'école basketball Maxime Antoine, Persévérance, l'école basketball par exemple, Mukunyea vient gagner basketball plus gain basli dans centre sportif Enfraza Delma 33. Entraînement yo déroulé mardi matin, jeudi matin et samedi matin. Joinville Jean-Alex, c'est président directeur général basketball plus. Nous même dans l'école basketball plus, nous voulons apprendre tout le monde connaît l'école basketball, ça pas même avec toute l'école. C'est que nous pour petit monde pour nous avancer vers l'avant. Comment? Pas seulement basket nous fait, nous avons un nombre de temps de faire basketball. Dans 3 heures de temps, l'autre une heure de temps, nous prenons pour nous capables d'avancer à Timounio, de connaissances pour qu'ils avancent vers l'avant. C'est Timounio qui inscrit parce que nous pouvons compter à la recherche pour nous connaître qui est capable de jouer
basketball dans la rue nous voit qui gagne hauteur qui gagne size capable ou bien si on a talent dans la rue nous pourquoi faire ça mais qu'on y a pas laisser faire parce que nous avons plein de monde qui a gagné panier basketball qui capable jouer dans obligé pour intégrer dans l'école basketball plus il y a trois catégories pour nous faire commencer nous gagne presque 5 à 6 filles inscrites pour venir même si certains qui a venu l'école a pu commencer encore en octobre pas bien ça sont camp liés sont camp nous faire pour que nous annoncer basketball plus mais automatiquement camp plan fini le 12 si Dieu veut qu'on vienne là 12 août n'a bien fini dans toute catégorie qu'on vient nous travaille basic basketball ensemble avec Simon et puis nous parler avec eux nous jouer avec eux nous faire comprendre basketball plus que ça nous pas comprendre le basketball même si il fait démarrer basketball plus qui c'est un nouveau né dans l'école basketball en Haïti. Il y a déjà environ 40 élèves dans la catégorie minime U15, U17, U19, U21. Parmi les formateurs, nous joignons George Nelson, Mackenson Thomas, Johnny Metto et Didier Dutelien, qui se veut d'être formation dans la COMLA. Il y a un formateur, George Nelson, qui est ancien joueur Bazooka, qui a quelques précisions sur le fonctionnement de l'école Basketball Plus. D'après lui, l'objectif là, c'est former plus de jeunes possibles et placés sous marché international. L'école Basketball Plus, là, c'est une école qui est très très jeune et puis qui a entraîné Smallford, Powerford, Center. Elle a entraîné tout le monde qui joue guard, power guard et small guard. So, c'est une école qui mettait sous pied pour garder pour eux effectivement comment on est capable de faire une initiative, montrer aux jeunes qui a joué dans la rue sans principe basketball, principe BABA basketball. Et en deuxième, ouais qui gens que on monde est capable de participer puis devant avec une fierté de basketball là au moins des capacités dans HBAC ou du moins puis devant capacité dans le championnat pourquoi pas aller dans NBA donc c'est perspective nous et tous ces objectifs l'école basketball plus là. Mon question ça me rappelle pour aller supposé venir avant monde cap garder là et aimer connait qui est souillé passer où dans basketball là. Bon moi c'est Nelson George, moi t'ai joué dans Bazooka club et moi j'ai joué tout dans l'école Nelson Mandela pour lui j'ai joué en Powerford parfois en Smallford. C'est une école qui a deux niveaux, il prépare un pour basket là mais tout le préparer mental tout pour capable ouais prospective objectif ou dans basketball là parce que et tout les garantit de son moral tout dans question qui relé dans et des jeunes yo puis ouais effectivement dans la rue qui j'ai été capable de comporter regarder pour qui j'ai basketball là même aussi capable de devenir un grand ambassadeur dans basketball là. Donc moi c'est que ça c'est deux travail que l'école là les mêmes n'a pas fermé page locale là qui note football coupe la présidence là a démarré journée mercredi 2 août 2017 là parmi match cap gagné yo Cosmopolite a joué contre Violette Athletic Club dans stade Silvio Cator, club Saint-Louis a joué contre Lionceau de Pernier, amateur Cité Soleil a rencontré l'Aigle Noir. Voilà qui boucle page locale là. Nous allons prendre une deuxième pause là. Au retour, nous allons parler sport à l'étranger. Dans Alternative Insurance Company, nous toujours à chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires, dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti d'un corps pour payer pour assurance vie, retenez un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui sort, si bien urgence l'hôpital, pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici, créer assurance vie universelle pour être nous poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie n'est qu'aux dépenses qui vous faites de temps en temps. Grâce à Assurance Vie Universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travaille pour protéger vous et puis pour qu'il y ait confiance. Dim, combien fois vous pris pendant sur Facebook ou à parler en Jordi ou bien ou à faire une story et puis BAM! Mega bye tout fini! Eh bien, na comme nous sommes, problème ou fini. Tout sim na comme yo vini kounyan ak 3 mois mégabyte pour Facebook gratis. Ou t'es besoin changer compagnie? Eh bien, sort up done. The future is now. Let's go. Oh.
are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup, wash! Désirable. Actualité à l'étranger, football, match de pré-saison, FC Porto, pendant le week-end qui s'est passé, a été rencontré Deportivo La Coruña de l'Espagne, portugais au balayé espagnol sur le score de 4-0. Équipe FC Porto, dès la 14e minute de jeu, prend avantage là. Il y a une belle action collective. Ballon allé sous poteau. Aboubakar font première tentative. Il joue un rebond avant de mettre ballon au fond des filets. C'était 1-0 pour les Dragons. Et équipe FC Porto, pied au plancher, pour joindre un deuxième goal là. Encore, attaquant international camerounais Vincent Aboubakar, qui était marqué peu avant la pause, soit à la 43e minute de jeu. Mi-temps est fini 2-0. En deuxième mi-temps, FC Porto a joué avec une autre équipement, tout de jaune. C'est pour le troisième goal là avec Jesus Corona, 55e minute de jeu. C'est un international mexicain. Match a été 3-0 avec réalisation ça de international Aztec là, qui a mis le ballon en haute portée du gardien du Deportivo La Coruña. Là, une mauvaise relance du portier de La Coruña. Et c'est Moussa Marega qui a aggravé ce score-là pour te bailler beaucoup plus d'ampleur à succès. Ça. C'était à la 87e minute de jeu. Score final 4-0. Et puis Manchester City bat Tottenham 3-0. C'était dans un duel 100% anglais. Match était joué aux États-Unis. Un coup franc pour l'équipe Manchester et City. Coup de tête de John Stones, défenseur central, de la 10e minute de jeu pendant un match de pré-saison. John Stones qui marquait pas mal de buts pour l'équipe Manchester et City. Hugo Lloris, portier français, n'a pas été capable de faire rien. Sous coup de tête ça de John Stones qui était bien présent dans 6 mètres là pour te reprendre le ballon. Après le deuxième goal, Manchester City a inscrit par Raheem Sterling. Ballon allé sous Potoa, un ballon qui a eu difficulté pour te quitter défense équipe Tottenham. Et là, c'est justement c'est Sergio Kun Agüero qui de peu est capable de doubler mise là pour Manchester City. Mais attaquant argentin, il était échoué de peu. On passe en profondeur pour Raheem Sterling. Raheem Sterling a le battu de près. Portier Tottenham là pour 2-0. C'était à la 73e minute de jeu. Troisième goal, équipe Manchester City a tapé inscrit en fin de match à la 90e minute de jeu par le jeune Jas. Donc, il y a une très bonne opération des hommes de Pep et Guardiola. N'a toujours été en football, match amical qui jouait jeudi mardi, il y a une équipe Atalanta Bergamia qui fait un coup de victoire face aux Allemands du Borussia Dortmund, score final 1-0. Il y a un goal qui était inscrit en deuxième mi-temps. Équipe Borussia, pourtant, a gagné première occasion dans la rencontre. Mais portier Atalanta est bien présent pour te faire échec à attaquant équipe Borussia Dortmund. Et c'est Josip Iličić, attaquant slovène, qui était inscrit unique goal dans la rencontre. C'était à la 71e minute de jeu. Donc, une courte victoire des Italiens de l'Atalanta Bergame. Et puis, dans Audi Cup, là, et jeudi en demi-finale, Atlético Madrid bat Naples sur le score de 2-1 avec des réalisations de Fernando Torres et Luciano Vietto. Et une coup de tête est repoussé par le portier de Naples qui était bien présent. Équipe napolitaine, c'est lui qui a joué une ouverture score là par l'attaquant espagnol José María Caleón à la 56e minute de jeu. Bien bonheur dans la deuxième mi-temps. Pral gen réaction Colchone Rossio avec égalisation de Fernando Torres, 72e minute de jeu. Et une reprise, portier napolitain est battu, Pepe Reina. Pral gen deuxième goal, équipe Atlético et Madrid là. Deuxième goal inscrit par Luciano Vietto, jeune attaquant et argentin, qui était reprendre ballon ça
de près au deuxième en poteau. Finale la prale opposée demain mercredi à Atlético Madrid à Liverpool. Liverpool qui balayait Bayern Munich sur le score de 1-0. On a fini avec un dossier transfert. Après 4 ans, il est passé en Angleterre à Manchester City de 2013 à 2017. International espagnol là, Jesus Navas, 31 ans, retourné dans Liga, dans FC Séville. Club, il était déjà porté couleur li, de 2003 à 2013. Jesus Navas signé un contrat 4 ans qui a fini jusqu'en 2021. Nous allons parler de l'autre espagnol, c'est Alvaro Negredo qui âgé également de 31 ans. Après des expériences mitigées en Angleterre, à Manchester City et à Middlesbrough, il va tenter de relancer carrière li, c'est en Turquie, c'est au Beşiktaş d'Istanbul. C'est sous Image Sao, Télésport à Campé. Merci pour l'attention. Passez une très bonne soirée, une bonne journée si vous suivez l'émission en rediffusion.